Вы можете Bonjour, pouvez-vous présenter comment vous vous appelez, quel âge vous avez? Je m'appelle Natalia, j'ai 44 ans. Vous êtes née à Dnipro? Non, je suis née en Biélorussie. Mon père est militaire et je suis née en Biélorussie. Et maintenant, je vis en Ukraine. Ah, donc vous êtes de Biélorussie. Vos parents sont ukrainiens Non, mes parents sont de Russie, sont russes. Quelle est votre profession Je suis psychothérapeute. Online, Oui, je fais les deux, online et rencontre directe. Alors, vous avez un site web où les gens s'inscrivent? Comment ça fonctionne? Oui, je fais ma réclame. Ça fait 12 ans que je fais ça, les gens me connaissent. Et les gens parlent de moi, ils font appel à moi pour, quand ils ont besoin d'aide sur le plan psychologique. Oui, je peux travailler à n'importe quel endroit de la planète. Comment vous avez trouvé notre agence? Je cherchais une agence avec des hommes du Canada et je vous ai trouvé sur Internet. Vous cherchez principalement un homme canadien? Non, l'Europe aussi. Quels sont les critères importants pour vous concernant l'homme? Un homme doit être responsable, viril, qui veut avoir il a du respect pour les femmes, et qu'il qu'il soit actif, qu'il soit gentil, généreux. Un homme bien, quoi. Vous avez déjà eu des demandes d'hommes par notre agence? Non, je n'ai pas encore rencontré d'hommes par votre agence. Donc vous avez dit sage, généreux, éduqué, responsable, un homme de maison, qui s'occupe bien de la maison. Vous savez tout de suite si c'est votre homme ou pas, ou ça prend du temps pour le construire? Bien sûr qu'il faut du temps. Il faut de la communication, il faut parler. Il faut comprendre ce qu'il aime, quels sont ses besoins. Vous êtes prêt à aller dans un autre pays? Oui, je suis prêt. Vous parlez des langues étrangères? Je parle un petit peu en français et l'anglais, j'ai un niveau scolaire. Oui, je parle un petit peu en français. Vous pouvez vous présenter en français? Parler en français. Comment ça se fait que vous connaissez le français? J'ai vécu 3 mois en France, j'ai étudié le français là-bas. Pourquoi la France précisément? Ça s'est passé comme ça. Le pays vous plaît? Oui, la France me plaît. Comme touriste, c'était super. Vous avez des exemples de femmes qui se sont mariées avec des hommes étrangers? Oui, j'ai beaucoup de clientes qui vivent à l'étranger, en France, en Suisse, en Allemagne, à Dubaï. Elles sont heureuses? Oui.
Есть, вы думаете, что есть разница между мужчиной здесь, в Украине, и мужчиной за границей? Vous pensez qu'il y a des différences entre les hommes ici et les hommes étrangers? Но сердце у всех одно. La mentalité, oui, mais le cœur, c'est n'a pas de frontières. Si vous avez la volonté de construire une relation, ça marche toujours. Quels sont vos hobbies? Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime dessiner, j'aime danser, je fais du sport, je fais de la natation. Je vais dans une salle de sport. J'aime voyager, j'aime la nature, j'écris des livres aussi. Oui, j'aime écrire. Sur la psychologie? Oui, oui, en général, oui. Et vous vendez vos livres? Non, je ne vends pas mes livres. Peut-être dans le futur. C'est une bonne idée. Merci beaucoup. И я вас благодарю.